Salut à tous, c'est Go, on se retrouve sur Miasmata pour la suite et je suppose la fin. Enfin, oh, c'est beau là, dis donc. Hop, merde, laissez-moi faire un screen. Voilà, putain, c'est beau ce jeu, c'est beau, j'avais oublié. En deux jours, j'ai réussi à oublier, nice. On se retrouve pour la suite et fin, je suppose, alors c'est triste. Mais sûrement la fin de Miasmata. Et oui, bah, Bamos, donc on est au 22e jour. Dans le jeu, c'est le 22e jour, voilà. Et vous voyez, il nous reste pas mal à explorer. Alors, j'ai bon espoir de trouver le champignon bleu par là, ou des renseignements, du moins. Là, il est 6h du matin, j'avais vu avant de charger le jeu. Oui. Alors, il y a un truc qu'il faut absolument que je fasse. Il y a quelqu'un qui me réclame depuis assez longtemps de faire mal à la bête avec le couteau, de lui lancer dessus, mais je crois qu'elle surestime mon niveau de jeu dans Miasmata. Enfin bon, il m'a dit soit de lui faire peur avec la torche. Soit de lui lancer un couteau dessus. Alors bon, la torche, comme je la perds au bout de 5 minutes. Et le couteau, en fait, j'ai plus de chance avec. Bon, on s'était fait niquer par la bête par là. Enfin, on s'était fait niquer. On avait run épiquement jusqu'à un lieu de sûreté. Donc là, maintenant, je longe la côte. J'avais dit que je ferais ça, je crois. Je me prends des contre-jours dans la gueule encore, c'est pas mal. Je suis sûr que vous aussi, ça qui est fun. Oh, c'est une statue ça. Est-ce que je te connais? Bonjour. Ah, je te connais. Qui es-tu? D'où viens-tu? Quel est ton but? Je te connais. Ah oui, ok, je vois où t'es. Donc là, il y a une mouette. Encore une saloperie de mouette. Casse-toi. Hop, plus de musique. Tout... Ah bah voilà. Ah, défi loupé, non? Allez, ramasse-moi ce couteau. Je peux pas trahir sa confiance. Je dois faire ce défi. Ce sera mon défi ultime dans Miasmata. Pour fendre la bête avec le couteau. Tadadana. Ouais, ces trucs dégueulasses. C'est pas ça les trucs bleus. Non, c'est pas ça. Ça, c'est des espèces de merde. Putain. Vous savez très bien qu'à chaque fois que je vois une île qui ne sert à rien, je vais dessus. Donc là, je vais le faire. Je vais aller jusqu'au bout de cette jetée là. Attendez, déjà d'ici, je peux regarder derrière moi. Attendre qu'il accommode sa vue parce que là, je vois que dalle. Alors, je vois la statue. Je suis où moi? D'accord, je suis sur cette petite jetée donc. Perfecto. Hop 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 hop. En fait, je viens de penser à un truc, je peux pas perdre le couteau donc je peux pas aller dans l'eau donc je peux pas aller au bout de la jetée, voilà. Donc fuck me. Elles font du bruit, c'est mouette quand elles s'envolent, c'est plus ce que c'était. J'ai cru entendre la bête. Alors écoutez, moi je joue tard hein, Miasmata, je joue vraiment très tard. Quand il y a la bête, c'est sûr que ça fait son petit effet. C'est bon, je suis vraiment alone quoi. J'ai juste le son du jeu, rien d'autre, pas de bruit extérieur, rien du tout. Donc bon. C'est un peu pour ma gueule quand elle est là. En plein dans ma gueule. Alors, est-ce que je pourrais faire un repérage d'ici? Sans que la bête arrive en même temps. Là, nice. Éclaire-moi de tes lumières divines. Tadam. J'étais déjà allé voir là les deux tentes. Je suis obligé d'aller voir les gars. Est-ce que j'étais allé voir, bordel de merde? Oh, la mémoire de Poiscaille quoi. Ah, la mémoire de Poiscaille quoi. J'ai encore le couteau. Bon là, si je meurs de toute manière, on n'aura rien fait de spécial. Donc fuck me. Je peux y aller. Par contre, pour les trouver, je vais douiller un peu. Elles étaient vraiment avant. Putain, j'aurais dû y aller avant là, je suis vraiment un connard. Ah, bonjour, je crois que je les vois. Ta 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 ta. Voyez. J'étais déjà venu ici. Sûrement. La mémoire de Poiscaille me fait défaut encore une fois. Bonjour. Hop là, je glisse un peu. Ouais, faites pas attention. Je fais un peu de moonwalk. Monte. Save, allez hop, save. On est des grands dingues. Save. On va voir ce qu'il y a dans notre tente. Alors ici, il n'y a pas de torche, malheureusement. Il y a de l'eau et je sais que c'est un morphal. Merde, putain. Et une hache. Vous imaginez lancer une hache dessus carrément au lieu d'un couteau? Vous imaginez le délire? Non mais il m'a dit un couteau, alors après si ça fait pas le même effet, c'est pas la peine.
Là, il faudrait que j'aille au milieu, là, mais j'aime pas ça, j'aime pas cette idée. Donc on va continuer de suivre la côte. Qu'importe le prix que ça me coûtera. On va descendre par le chemin tant qu'à faire. Ok, c'est un peu le chemin de la Moria ici. Allez. J'avance pas trop vite hein, parce que j'ai un peu peur pour lui. Peut-être aller un peu plus vite que ça aussi hein. Donc là je ne sais pas du tout où je vais. J'essaie de chercher ce champignon bleu. Et comme je ne sais pas du tout où il est, donc vous ne m'avez pas dit où il est, et ben je vais me démerder. Attends, je vous ai pas demandé où il était hein, mais bon. Allez, monte. Oui. Mon fief. Je domine mon fief. Je domine aussi le néant. Parce que je vois pas où je suis, je vois pas où je vais, quel est mon but dans la vie. On va continuer de longer la côte. En fait, longer la côte, c'est un peu la vitae. Hein. Ah, il y a... Attendez, alors, est-ce que je connais... Il n'y a pas une statue, là? Ah, là-bas, il y a une statue. Attendez, on peut essayer quelque chose là. On peut, je dis bien, on peut essayer quelque chose. Est-ce qu'on essaye, c'est une autre chose, mais on peut le faire. Boum, BH. Du coup, on bouge. Faut jamais rester trop longtemps immobile dans ce jeu. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. Fallait bien que je dise quelque chose d'épique. Mais ça l'était pas du tout, donc fail au final. D'ailleurs, longer la côte c'est bien, mais avec un couteau on a tendance à le perdre dans l'eau. C'est ça le truc que j'avais pas pensé. Ok, alors toi je ne te connais pas. Et merde. J'ai eu de la chance de voir cette statue là, c'est épique. Ah, du coup, je voyais la petite île là juste devant. Là, il y a une île ici. Ah, c'est ça l'île pour eux, d'accord, très bien. Là. Ah, vamos, hein. Je sais pas où on va. On y va avec assurance. J'ai presque envie de me crouch là-dessus. Est-ce qu'elle nous entend sinon? Bon, Osef, de toute manière, si elle nous entend ou pas, elle va pop. Qu'elle vienne, je la pourfendrai avec le couteau. Moi, j'aime pas trop cette idée des hautes herbes là. Enfin, remarque, ce serait la meilleure cachette que j'ai en temps de crise. Ce serait mon meilleur endroit où me réfugier. Oh, c'est beau. C'est beau ce bordel. Mais c'est que c'est beau. Attendez. Si c'est beau, c'est photo. Voilà. Encore un de mes proverbes maison. Si c'est beau, c'est que c'est photo. Bien français encore tout ça. Allez, y'a que dalle là. J'espérais... J'avais une lueur d'espoir de... Qu'est-ce que c'est ça au fond de l'eau? Non, c'est un tronc d'arbre. Putain, mais qui c'est qui s'amuse à venir couper les arbres quoi? C'est les ravages des cyclones ça, c'est quoi? Ah, remarque, avec toutes leurs maisons en bois, ils ont dû en couper des putains d'arbres. Mais ils ont pas... Ils ont pas appris eux qu'il faut les couper plus bas que ça les arbres, parce que... Non non, ça s'est coupé naturellement, ça c'est... Il y a eu un drame ici. Un drame climatique. Bon, là qu'elle vienne la bête. Oh, belle photo encore. Enfin bon, je la prends pas cette fois mais... Des fois ce jeu c'est une carte postale quoi, c'est... Je suis, quel est mon but? Ok, alors là j'ai même pas deux trucs pour me repérer, donc le jeu me dit carrément va te faire foutre, go. Parce que moi je suis là. J'aimerais bien repérer ce bordel en fait. Là il y a une pute. Et là il y a rien. Rien du néant, de la néantitude. Je vois quoi? Non, fuck. J'ai la flemme, je voyais une seule solution mais fuck. Excusez-moi d'avoir la flemme de faire ça. J'aime bien les hautes herbes. Ça me protège. Du malheur. Du malheur d'une bête qui peut me faire très mal en dehors des hautes herbes. Bon, tiens, un truc que j'aimerais bien, ce serait me repérer.
Alors je sais où je suis, mais je veux dire repérer la map. C'est tellement épique. Je peux toujours pas d'ici. Il va falloir que je sois découvert. C'est quoi ça? Je peux le ramasser? Je peux pas ramasser ces roseaux là. Ah, d'accord. Ok, tu sais pas passer entre ça, putain. T'es pas un aventurier, je croyais qu'au bout de 22 jours tu serais un peu déplacé dans la nature, mais non. Toujours le même résultat, il fait aucun effort. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'on l'a pas croisé celle-là, là, la borgne. On l'appellera la borgnasse. Oh putain, une baie et tout, mais ça déconne pas ici. Putain, j'ai tout ça d'inconnu les gars, fuck me. Oh non, je peux pas repérer d'ici, mais putain de merde. Oh, y'a un truc inconnu là-bas. Fais chier! Oh, oh là là, intenable. C'est intenable cette situation. Non, monsieur, je ne suis pas d'accord. Il faut que j'aille là-bas alors pour. Oh putain, mais je vais perdre le couteau. On va le laisser là. Je reviendrai te chercher, je te promets. Je reviendrai jamais. Ah, mais attendez, je peux peut-être nager avec. Quoique, non, je crois pas qu'on puisse nager avec le couteau. Bon. On va prendre ce risque. Putain, vous avez vu les compromis qu'il me fait faire celui-là? Non, mais incroyable. Il peut pas, non? Il peut pas, putain, il est sérieux, il arrive pas à nager. Dans les tréfonds. Ah. Allez, dégage, je te rattraperai. Je reviendrai te chercher, je te promets. Il y croit. Ah, il y a une tente là-bas, il y aura sûrement un couteau, tiens. Les couteaux, ça se trouve un peu de partout, donc. Je me fais pas de soucis là-dessus. Ça me fait de la peine d'abandonner celui-là comme ça. Enfin bon, c'est pas comme si j'abandonnais un pitcher, donc ça va. J'ai ma plante qui me sert de palme pour les mains là. Bon, on va trouver une tente, ça c'est. J'aime bien trouver des tentes parce que ça veut dire qu'il y a de la connaissance dedans. Enfin pas sûr mais bon, j'espère qu'il y en a. Celle-là elle est chiante à trouver hein. Oui, putain, il arrive de. Oh non! Oh oui! Ah, il arrive à te monter des trucs, des fois c'est épique. Oh, toi du monde là! Je suis le roi du monde! Ah! Je t'avais pas vu, toi. Ah bah, ça change tout forcément, hein. Oh, ok, là je suis vraiment au milieu de rien, quoi, c'est. Sur la map, là je suis au milieu de rien. Ça va faire un rond au milieu du néant. Hop! Bitch! Bitch! Ok, bien sûr, je peux rien repérer d'ici, ce serait un peu trop facile, j'ai envie de vous dire. Il a soif, le pauvre enfant. Bah, bois, écoute, bois. Bois jusqu'à plus soif, et on va aller à la tente. J'espère qu'il y aura un lit ou un truc comme ça là-bas. Parce que là, il est PM, j'aime pas trop s'il est. J'ai pas envie de me retrouver coincé la nuit comme une merde. Comme une pauvre merde. Là, tente, là, tente, là, tente. Jump à l'eau. Plongeons. Chasse écarpée. Et on est à la tente où il n'y a que dalle, apparemment. Une note, s'il vous plaît. Non, pas de note. Je vais me faire foutre. Ok, très bien. Oh, une hache. On va faire de la cartographie. La seule faille dans mon plan, c'est qu'on ne peut pas en faire d'ici. La faille. Fuck. Fuck me. Fuck. Ah, une torche. Ah, j'ai cru voir l'impossible, l'impensable, une torche. Una torcha. Una torcha. Ah, là je vois. Je vois tout. Oh putain, mais. Incroyable, incroyable. Mais incroyable cette malchance. Ah, c'est bon. Ok, oh putain, il y en a deux, vous êtes sérieux? Je me fais chier pour rien en gros. Ok, alors là, il va falloir choper celle-là. Je sais que je peux l'avoir en plus, putain, ça fait chier ça. Ah!
Bien sûr, je clique comme un porc, mais dès que ça passe dessus, j'arrive pas. Ah. Merci, enfin. Bordel de Dieu. Chope-moi celui-là. On n'en parle plus. Allez, ça a repéré la tente, ça, avec un peu de chance. Boum. Y a pas la tente. Je ne la vois pas, donc je vais me faire foutre en, gros. Je ne vois pas non plus les ruines. Ah, il y a quelque chose là-bas. Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Un espèce de truc de merde, là, pour save. Un autre. Ok, donc on va à la tente. Pas besoin de descendre comme un énervé. Tu y arriveras à la tente. Bandoleo, bandoleo. Est-ce que je peux faire de la cartographie? Cartographie, yo. Hein, est-ce que je peux? Dis. Ah mais la tente est repérée, mais fuck. Quelle est cette folie? On va dormir. Là j'avance dans le néant là. Je sais pas où je vais, je sais pas quel est mon but dans la vie. Mais il est trop tard là de toute manière. Il est 3 h de l'après-midi, on va peut-être. Je préfère commencer le matin, voilà, c'est dit. Comme ça vous le saurez. Bon, on voit une tente, alors je sais pas, la prochaine fois qu'on va en voir ce sera quand, donc je préfère faire ça tout de suite, c'est un investissement. Holy shit, j'ai aucune idée de ce que je fais. Aucune fucking idée. Il est très tôt le matin, il fait presque nuit. Presque nuit. Nouma yé. Attendez, là je vois la tente. Bon, je peux faire la cartographie d'ici, je les emmerde tous. Je vais en faire d'ici d'ailleurs. Ça va un peu explorer un peu plus. Vous voyez, on voit les contours de la carte à proximité. Ah, bah là on voit plus loin. Ah, et quoi là? Ah non, que dalle. Donc là ça se rejoint. Ah ok, tout s'assemble en fait. Tout se recoupe. Donc je l'ai un petit peu dans le cul en fait pour... Est-ce que j'y étais allé là? Oh, est-ce que j'étais allé là? Putain, mais je sais pas si j'étais allé là les gars, c'est terrible. Ce manque de mémoire, c'est fatigant même pour moi. Bon bah lui du coup je peux l'ajouter, vous êtes sérieux? Je suis au même endroit là. Ok, bon bah j'ai réussi à l'ajouter, nice pour moi. Bon, du coup je peux aller de l'autre côté et leur dire hello. Bon bah on va aller de l'autre côté et leur dire hello alors. On y va avec quoi? Avec que dalle, parce que je peux pas traverser avec quelque chose. Putain, je sais pas ce que je fais. J'ai aucune idée de ce que je fais. On traverse, allez hop. Fuck this. No fear. Même si l'eau elle est noire, mon pauvre. Elle est pas très claire cette eau, hein. Pourrait y avoir des requins mangeurs d'hommes là-dedans. Enfin, non, on pourrait pas vu le climat, mais bon. Même plus si j'étais allé autant de vous rendez compte. Oh, un bateau. Ok, je vois où je suis. Ok, je vois où je suis. Vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez? Beach please. Hein? Moi j'ai envie de dire nostalgie, souvenir. Ce sera mon argument. Nostalgie, souvenir. Ouais, c'est le début du jeu, les gars. Eh ouais. Oh yeah. Le début du fucking jeu. Je l'ai fait, j'ai réussi à revenir au début du fucking jeu. Je vais mettre la musique épique du coup, mais ils m'auront pas comme ça. Je vais quand même faire de la cartographie.
Non mais fais chier, je sais pas où je vais. Ah. Ça a entamé un morceau de gris. Bon là ce sera la fin. Putain, je suis obligé d'aller voir hein. Si j'y étais allé, remarque, j'aurais fait un plus gros rond avec la cartographie, non? Moi je pense. Ah mais j'ai pas envie de traverser. Ah il pleut. Non. Il pleut, j'ai pas envie de traverser. Vous imaginez le mec dès le début du jeu, il fait ça, hop les. Il se casse, il en a rien à foutre. Il avance pas droit. Bon il faut que je coupe, ouais comme ça. Allez, on y va. Allez. J'aime pas cette idée plus que vous, mais. Enfin, vous vous en foutez, vous êtes derrière votre écran. Vous vivez pas le trauma, vous. Ok, là ils ont fait un bug mapping, là, je sais pas s'ils ont fait. Ils ont fait des gouffres. Ils sont éclatés là au niveau du mapping, ils se sont dit personne n'ira jamais là par go. J'aime pas cette forêt avec de la mousse là. Est-ce qu'on le savait ça? Ok, elle m'a vu. Fuck. Fuck me quoi. Ah la malchance. Tu me vois? Est-ce que tu me vois? Mais putain, elle me voit. Putain, mais c'est toujours quand on est au milieu de rien, ça c'est terrible ça. Qu'est-ce que tu essaies de faire, ma jolie? Vachement belle hein, cette créature là. Oh oh, tu t'approches un peu trop là, tu. Arrête de tourner en rond, tu m'auras pas comme ça, je vais monter cette colline. Je monte à petits pas mais je monte. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas monter comme ça, non? Y a... Elle m'a décapité. Mais elle m'a fait monter. Achève-moi. Ne me laisse pas souffrir. Achève-moi. Créature du démon. On est fourbe parce qu'on est obligé de la regarder. Sinon on sait très bien qu'on est mort. Caché. Je suis caché. C'est pas du jeu de t'approcher comme ça, dégage. Ok, tu m'as déjà fait très mal. Regarde-moi ça. Ah, tu me vois là. Vraiment. Non mais pff, je suis dans les herbes, ok. Ouais, bah vas-y, tue-moi. Je lui donne cette victoire. Je pouvais rien faire là, de toute manière je pouvais rien faire. C'était abusé là. Bon, on va prendre cette putain de hache et on va la découper en morceaux. Le truc qui me fait chier, c'est que. Ah, du coup, lui il est pas repéré quoi. Mais fuck! Faut que je refasse la connerie. Non, mais putain, mais t'avances. Bah, ouais, ouais, bah voilà, une hache perdue quoi. Ramasse-la. Non, il a. Ramasse-la. Mais. Il fait exprès d'aller dans l'eau quoi. Retourne-toi lentement. Marche. Merci. C'est gentil. Où on va du coup? Quel est notre but, putain de merde? Ouais, dans ces deux putains de tentes, on verra bien. Fuck. Je sais pas si j'arrêterai cette vidéo tant que j'aurai pas fini ce bon dieu de jeu. Je serai l'homme qui aura fini ce jeu, c'est tout, voilà. Je vais le finir ce jeu. Je pense que je serai pas le seul homme à l'avoir fait, mais bon. Voilà quoi, c'est pour dire. Non mais j'essaye de le finir dans cette vidéo là. Qu'on l'achève. Ça me fait de la peine de le finir, mais bon, on va le finir. Ah! Un petit abri au soleil. Enfin, la pluie et au mauvais temps. Et ça pue la merde ici. Ok, donc là-bas c'est la house du début.
On va mapper tout ça. Laissez-moi juste mapper. Bam. Enfin, toujours est-il que j'avance dans le néant, hein. Je ne sais pas où je vais. Pas quel est mon but. J'ai une hache dans la main, du coup je suis obligé de faire le tour pour aller là-bas, mais je préfère y aller avec une hache, franchement, pour voir un peu si je peux lui faire des dommages. Voir si je peux la faire fuir, vous voyez, en lui lançant une hache sur sa putain de gueule. On va essayer. Elle m'a trop fait de mal là, je dois lui rendre ce qu'elle m'a fait. Je crois qu'elle m'a tué deux fois, non? C'est la deuxième fois qu'elle me tue dans l'aventure. Bon, elle pourra dire qu'elle m'a tué deux fois, quoi. Vu le nombre de fois où je l'ai esquivé, celle-là. Elle peut pas se vanter. Oh putain, allez. Alors là, j'avance dans le néant, encore une fois. On a eu des mauvaises surprises à avancer comme ça. Ah, bah comme celle-là, par exemple. Oh, il est pas tombé. Yeah. Monte. Tin, 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 tin. Wow. C'est une grosse pierre que voilà. Je vais aller voir autour. Y'a pas genre une plante super épique ou quoi que ce soit, les gars, s'il vous plaît? Non? Je vais me faire foutre. Ok, pas besoin de me faire tomber toute la map là. Elle est belle cette forêt, encore une forêt unique ça. Enfin, unique. Dans le jeu. Bon, là, s'il y a la bête, je peux pas m'échapper encore une fois. Là, c'est... Ça tombe bien. Salope, viens là. Ça m'a toujours fait un truc au cœur là, mais bon. Tut. Ouais bah super, merci le plan. Elle est où la hache? Super, merci du plan quoi. Moi j'y ai cru à ton plan l'ami. J'ai dit ah, je vais lancer un truc sur elle, elle va un peu rager. Mais non, 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 y a pas de plan en fait. Si tu lances et tu crèves. Hop. Je te sème un peu. Mais putain, mais elle me trouve quoi, c'est un truc de malade hein. Oh putain, comment je la sème là. Mais elle me voit putain, mais what the fuck. D'où tu me vois tout le temps maintenant? C'est quoi ce délire? Avant t'étais aveugle. Oh, je suis à l'eau. Oh, un orage. Hein, ça fait mal. Je l'entends courir cette borgnasse. Salut. Elle est où? Ah, à gauche. T'es niqué là, hein, tu sais pas traverser l'eau, ouais, 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 fallait y penser avant. Me faire chier moi, go. Tu vois toujours pas. Là ou pas? Elle est où? Ah, elle fait le tour tranquillement. Ah, elle a disparu. Mais j'aimais bien moi le début du jeu, on était tranquille, elle venait pas nous emmerder. Putain. Elle a changé clairement. Je reprends un couteau, mais c'est la dernière fois. Voilà. Et... Pff, on va revoir dans cette maison. Parce qu'elle est fun, mais... Mais ouais, quoi. Putain, je sais pas ce que je fais, là. Je suis au début, encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est ce putain de champignon dégueulasse. Je sais pas où je vais. Ah pff, là je peux aller aux tentes là. Encore je peux me le tenter. J'arrête cette blague tout de suite. Donc il faudrait que j'aille par là donc. Donc vers où? Oh, à l'ouest. Non, à l'est. Ok, j'arrivais pas à voir. À l'est, toute. La victoire. Oui bon, celui qui m'a dit de lancer un couteau sur la bête, merci, mais. J'ai pris cher quoi.
Ok, ils mettent des montagnes comme ça, on se fait bien niquer la gueule. Non, bah moi je suis pas d'accord, juste bug. Oh les connards, ils ont mis une muraille. Oh la fourberie, n'a aucune limite quoi. Ah, par là je peux monter, ils connaissent pas mon perso je crois. Il a monté bien plus dur que ça les gars. Allez monte, non, ne me trahis pas, monte. Après ce que je viens de dire, t'es obligé de monter, tout ce que je te demande de monter. Je viens de ma boussole, hein. Est. Allez, on y va. No fear. No fucking fear. Je vais me faire agresser, pas de problème. Et il monte n'importe quoi maintenant, je lui mets un mur à la verticale, il me monte le gonze. Ouais putain, cette forêt de merde. Je n'aime pas, mais alors je n'aime pas. Pas une seule seconde. Allez go. C'est dangereux de sprinter les deux mains comme ça. Ok, ok, il s'énerve. On monte. Putain, elle nous agresse la bête, c'est de la violence. Regardez-moi ça, il monte ça. C'est vertical. Putain, il y a des lois quoi. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe le jeu là? Ok, donc apparemment c'était Fraps qui avait un peu de mal, donc j'ai fait une micro coupure là à l'instant. What the fuck? Oh putain, je suis où là? Où est-ce que je suis allé me foutre quoi? What the dieu, je suis où? Oh bordel, j'ai dévié. Il a soif en plus. Il a soif le pauvre bichon. Connard. Bois-moi ça. Fais plus chier. Donc, j'étais où? Je vois plus où j'étais. Putain. J'étais là. Là. Il faut que j'aille vers la droite par là. Je sais pas où je vais quoi, c'est. Détente s'il vous plaît. Statue, c'est quoi cette statue? Je la connais pas. Je la connais pas. Il doit y avoir un cours d'eau. Enfin un cours d'eau, un lac. Où est-ce que je vais, nom de Dieu? Non mais où est-ce que je vais? Où est-ce que je suis en train d'aller? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Il y a plein d'arbres coupées là. Ah! On va aller à la maison là, on va savoir où on est un peu, on va se calmer. Remarque les tentes elles doivent être juste en dessous de la statue. Wow, hop hop. Take that, motherfucker. Take that, motherfucker. Merci. Oh putain, wow, mais le jeu, je sais pas ce qu'il a là, parce que c'est la fin, il rage un peu, il fait non, reste. Ne finis pas le jeu, go. Merde, t'y arriveras pas, t'es qu'une merde. C'est pas faux. Il y a du vrai, mais il y a du faux. On va à la baraque, je sais pas où je vais. Le plus simple, c'est d'aller à la baraque. Aïe, je me suis pris un arbre. Putain. Pas cette fois, Billy Joe. Je suis trop bien caché cette fois, tu m'auras pas. Aucune chance que tu me trouves, petite connasse. Aucune chance. Amuse-toi à me chercher. Si tu me trouves, je vais te lancer le couteau. Attention, je sais que ça te fait rien, que ça te rebondit dessus, mais quand même, fais gaffe. En même temps, c'est parce que c'était une hache, alors du coup, je sais pas, je l'ai peut-être lancé. Elle s'est peut-être pris le manche au lieu de la lame, je sais pas. Enfin bon. On verra. Si on doit revenir aux mains, eh ben, on n'en reviendra pas aux mains puisque j'aurai un couteau. J'aime bien la façon qu'elle a de venir droit sur moi, c'est genre l'air de rien, je sais que t'es là. Ah, des vipins surtout, droit sur moi. Tu peux pas me louper. Ouais, là tu peux pas me louper, connasse. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah non, elle s'est arrêtée juste devant moi, ok.
J'ai un peu bougé parce que j'étais un peu à découvert dans mon dos. T'as le droit de te barrer maintenant. Je t'ai vaincu, je t'ai vaincu là. Avoue-toi vaincu et pars dans l'honneur. Ou reste et sens la lame de mon couteau te transpercer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend de la hauteur là, elle veut me brain. Elle veut me faire un finish move à l'idio là. What? Elle est simplée, elle est simplée. Ah, elle se barre. Pas trop tôt. Dégage, s'il te plaît, tu me feras le plus grand plaisir. Pff, elle est encore là. Putain, elle aussi, elle a rien à foutre de sa vie quoi. Alors. Putain, ça rame encore, ça rame. Mais qu'est-ce qui se passe? Sabordage là, on s'aborde mon Putain, mais de sabotage de merde là. Je suis obligé de faire des micro-coupures, c'est assez chiant. Ah! Nanana, 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 on est revenu au point de départ, c'est plutôt bien. On va se faire que dalle, on va rien faire en plus, ça me sert à rien d'être là. Aïe 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 aïe. Si ça me sert à voir lui là qui est par terre en vidé de son sang. Et à save, allez hop on save. Je sais pas pourquoi je fais ça mais je le fais. Voilà, on est là. Donc je suis loin encore, merde. Que je revienne en arrière, là, fait chier au bout d'un moment. Allez, on va le faire, hein. On est des cons, on le fait. J'avais qu'à savoir me repérer, écoutez, hein. C'est ma faute. Et vous savez ce que je vais faire? Là, je vais être intraitable avec le jeu. Je vais marcher sur le ponton. Voilà. J'espère que le jeu, il voit ce que je fais. Je marche sur son ponton, sans aucune crainte. Vous vous ramassez, vous? Oh, je peux pas vous ramasser, hein. Oh, je suis triste. Vous aviez l'air si beau. Putain, il fait du bruit en sautant, il m'a fait peur. Allez, oh, c'est un ponton, mec, c'est bon. Eux, ils disent qu'il y a 15h. Ah non, ok, ça c'est par ici. En fait, en suivant les chemins, on est plus en sûreté parce qu'il y a beaucoup d'herbes autour. Non? Non, c'est faux? Très bien. Je suis le chemin, d'accord, très bien, je sais pas où je vais. Le chemin il s'est peut-être un peu arrêté là, non les gars? Bon mais c'est pas possible de pas trouver. C'est incroyable, non? Ah, ouais mais putain mais elles étaient cachées aussi. Putain mais sérieux quoi, elles étaient bien cachées celles-là hein. Non celle-là je suis jamais venu celle-là. Dites-moi que je suis jamais venu. Mon dieu. Putain mais c'était caché celle-là, c'était fourbe. En plus y'a rien dedans je crois. Ah oh, mais la fourberie de ce jeu. La fourberie, mais la fourberie. Je me suis laissé fourber encore une fois. Allez, ça va faire la jonction entre les deux. C'est quoi ce bruit? Ah c'est un oiseau, putain. Ils font des bruits bizarres les oiseaux hein, dans cette contrée. Ça c'est des sons de vrais oiseaux mais bon. Allez, sauvegarde, joue pas avec moi, merci. Bien sûr, il est PM maintenant. Oh putain, y'a rien, y'a rien du tout. Attends, faut que je sois sûr qu'il y ait vraiment rien avant de partir et de rager. Et y'a piché déjà, là y'a un piché. Y'a un couteau à beurre. Enfin, un couteau à beurre, un couteau. Y'a des torches. Des torches. Plan de bataille, où je vais, pourquoi, quel est mon objectif, quel est mon but dans la vie. Je sais pas du tout là, je sais pas ce que je fais. C'est quand même ouf de pas réussir à faire l'agent X alors que j'arrive à faire l'agent Y et Z, bordel de merde. Oula, oula, là, calme-toi.
Outposto, je l'ai pas découvert. C'est où Outposto? Attendez, Outposto, bordel de merde. Il dit des noms qui n'existent pas aussi, c'est un peu facile hein, de faire ça. Si tout le monde faisait comme lui... C'est pas là quand même. Hein, c'est pas là. Peut-être là-dedans. Putain de merde. Ça peut être n'importe où, c'est qui est bien. Ça c'est bien ça, ça peut être n'importe où. Putain, c'est pas là, dites-moi pas que c'est là quoi. Sérieusement, je vais rager si c'est là. Par contre, il faut que j'aille là absolument. Vraiment que là c'était que de la forêt, non? Je suis venu ici mais strictement pour rien du tout. Quoi qu'il en soit, ça va pas être là. Hein? Ça va pas être là. Ça va pas être là. Ça va pas être là. Donc ça va être là. Ou là. Ça va être là, voilà. Ça va être là et je vais me faire baiser la bouche. Ou là. Ou là. Parce que là, il n'y a rien. C'est bizarre qu'il n'y ait rien ici quand même. Hein. Ou là, je vais presque avoir plus d'eau aussi, putain. C'est la décadence. Ah mais il y a de l'eau là juste devant, est-ce que je peux la prendre? C'est de l'eau potable ça. Remplis pas ta gourde surtout. Connard. Ah si, la remplisse, ok. Par la magie vaudou. On va dormir, allez. La nuit porte conseil, fuck this. Fuck me, fuck me. Encore. Encore s'il te plaît, arrête de bugger. Alors attendez, est-ce que c'est le matin? Ok. La souris qui se bloque. Merci. Oula, oui, là c'est le matin là. On va essayer d'allumer ça. D'accord. Allez. Allez, fuck. Allez. Merci. La galère. Ok, alors attendez. On va juste regarder une dernière fois ces putains de notes. Attendez, j'ai tout hein, sinon j'ai tout. Putain ça bug encore frappe, mais fuck you. Re les amis, alors bien sûr le jeu a décidé de m'achever, alors il a crashé. Donc je regardais le livre. Alors le jeu a crashé, merci, merci. De rien, merci, au revoir. Donc du coup. Écoutez, j'ai envie de fouiller les notes pour voir, parce que je sais pas ce qu'il faut faire. Bordel de merde, je ne sais pas ce que... Oh, oh, oh. Outposto, mais il n'existe pas, d'où il n'existe pas ce truc. T1, T2, c'est où ça? Attendez, je vois un truc qui parle. C'est peut-être... Attendez, non, ça n'existe pas Outposto. Peut-être là, non c'est pas lui. Là, non, c'était pas dans ce sens. Fais chier, c'était où déjà le boat landing là? Ah, ça? Non, y a pas de route. Ça! T1 et T2, alors. T1. T2, il a disparu, il a été mangé par les tréfonds. T2 n'existe pas officiellement. Alors attendez, du coup, ce serait ça? What the fuck? What the fuck? Putain, mais Outposto il est pas marqué sur la map. Alors T1 et T2. Super dur à repérer cette merde. Oui, merci. Alors T1
D2, apparemment, ce serait ça. Ah putain, c'est un compliqué. Alors là, c'est T1. Bon, déjà, il faut aller là-bas, donc... Oh, fuck me, quoi. Fuck me. Je suis au bout du trou du cul du monde. Putain, mais je suis aux confins de l'univers, quoi. Et ils me disent d'aller de l'autre côté, putain. En plus, des marées à la con, là. Parfait. Putain, mais c'est pas vrai ça quand même hein. D'être con comme ça là. Outposto quoi, mais il est pas marqué putain. J'ai fait mes erreurs certes, mais Outposto n'était pas marqué, voilà. C'est mon argument. Là je vois où je suis, ok. Je suis à côté du respawn en fait, parce que je vois le mur qui nous bloquait tout à l'heure. La droite, voilà. Vous êtes content, vous l'avez vu. Je peux pas descendre par là, non. Mon de Dieu, il faut que je descende là. Hein. Oui. Nice, Nice. Respawn, respawn. Ah. Ah, sécurité, safety, merci. Recommence pas avec tes frises, nom de... Re, alors excusez-moi pour cette interruption encore. Putain, mais Fraps il va me rendre ma boule quoi. C'est, il veut plus record là, je sais pas ce qu'il a. Ça va me rendre dingue ce logiciel. Je serais fou avant la fin de ce jeu de toute manière. On va se faire des basiques putain de médecine maintenant. Je sais pas à quoi tu sers, toi tu dégages de mon plan de travail. Voilà, on a des basiques médecine. Merci, je sais ce que c'est. Putain de merde. Le jeu me troll quoi. Enfin, le jeu Fraps me troll, Fraps. Il sent bien que c'est la fin du walkthrough et il veut que ça ce soit un fiasco. Que Jack s'en est un là avec mon bordel que je fous. Je fais n'importe quoi. Bon, là on va juste suivre la map. Voilà. Fuck me. On va suivre la route. On va pas se faire chier. Hein. Il y a un moment où il stop quoi. Aïe aïe aïe. Putain putain putain, on a du mal hein. Enfin on. J'ai eu mal hein. Ça va pas du tout ça. Où est-ce que... Ok, on va aller à la baraque là-bas. Save, on fait que save de toute manière dans cet épisode. On save mais on n'a pas de progrès en plus, donc ça sert à quoi? À rien. C'est clair et net. Mais je le fais quand même. Allez avance hein, fais pas le con. Ah là 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 là. Je suis un peu à court de... Je sais plus quoi vous dire en fait. Parce que Fraps m'a tout fait subir quoi, il m'a emmené dans les tourments. À la maison. Allez, on y est. Dans cette putain de maison, je me rappelle même pas de cette maison quoi. Ah si, je m'en rappelle. Ça va, j'ai une mémoire de merde mais quand même. Donc... Ah, de l'eau. Alors... On est là, il nous reste un long trajet à faire. Jusqu'à T1. On va couper hein, on va couper à travers la forêt. Quitte à se faire violer par la bête. On va le faire comme ça. À la mode de chez nous. Bon, t'as le droit de... Merci. Et allez, on y va. Like a warrior. Ah, je m'en rappelle au début du WoW quand on courait en toute liberté.
On se doutait pas du mal qui régnait sur ces terres là, la bête qui nous est chier. Bon, maintenant c'est le cas, elle est bien là. Bon, je vais couper par l'eau, excusez-moi, mais le couteau c'est bon, j'en ai marre. J'ai essayé avec la hache, hein. On pourra pas me dire que j'ai pas essayé avec la hache. Parce que j'ai essayé avec la hache. Donc là, on save encore, encore et toujours. On save, on save, on save, on s'arrêtera pas de save. On peut plus prendre de risques, la bête elle est beaucoup trop présente maintenant. On peut pas save là. Bon bah on prend une pomme alors, si on peut pas save, on prendra au moins une pomme. Voilà. Ah ok, il y en avait 3 mais j'en prends une. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il a fait des deux autres? Il s'est décoinfré. Là on va... Attendez. Ce serait vers où? Je regarde comme ça. Par là, alors. Là on va pas se planter. Je regarde là. C'est... au nord. C'est au nord, ok. On y va, avec notre pomme. On a confiance, ok. N'ayez pas peur. La bête nous a trop défoncé, elle peut pas... Ah mais c'est juste là. Ah non, ça c'est un lac. Ça c'est un lac. Ça peut pas être autre chose. C'est un putain de lac pour me faire chier, pour me faire faire des détours. Ah, il y a une tente. On va aller voir. On va trouver une note. Bonne surprise enfin. S'il n'y a pas de note par contre, non, là j'accepte pas. Il y a des limites à la barbarie de ce jeu envers moi. Allez, t'y es. C'est moi, il y a des mini-freezes encore là pour me faire rager. J'ai pas assez ragé, c'est ça, c'est... Alors... Des mini-freezes, j'hallucine là, c'est de la torture psychologique ou quoi là? Y a rien dans cette note, dans cette baraque pourrie. Je connais pas celle-là de statue, non? Oh si, je la connais. J'ai rien dit. Ah mais je connais pas l'autre, c'est ça? Oh si! Wow, c'est la folie là. Voilà. Alors. Ici on se rappelle tous qu'elle respawn tout le temps la bête. C'est là où elle respawnait tout le temps. À la chaîne. Nous on va aller là. Donc si je regarde comme ça. Bon, tout c'est toujours au nord, hein. Ça a pas changé, qu'est-ce que je suis con moi. Ok, j'ai le bug de la map. Très bien, je peux plus bouger la souris quand ça fait ça, hein, je tiens à vous le dire. Ah merci, je peux bouger la souris. Voilà. Non mais là je suis énervé là. Je le masque mais chaque petit truc vous voyez, en plus c'est une attaque envers mon envers moi, ouais. C'est le petit bug là, je fais comme si c'était rien mais vraiment ça pèse lourd déjà. Enfin bon, allez on y va. Je vais perdre la pomme parce que je vais nager, soit c'est une perte que je suis prêt à encaisser. On va te faire foutre la pomme. Il sait pas nager avec une pomme dans les mains, il sait pas nager avec une pomme dans les mains, il fait ce qu'il veut. On va pas le blâmer. C'est un attardé, c'est un attardé. Le nord. Bon, on va finir ce jeu les gars, ok, vous êtes prêts? Si j'étais découragé plusieurs fois par frappe, c'est là ça freeze encore donc je rage, mais c'est pas grave. Je aussi vous devez rager parce que c'est trop horrible à regarder, mais bon. Là je sature les gars, je... Ah mais... On y est là non? Je crois bien qu'on y est les biatchs. Je parle pas à vous hein. Enfin, un peu mais... Non je parle pas à vous. Ah! Thank you God! Putain! Et mais les freezes là c'est volontaire pour me faire chier ou c'est juste un... Enfin, je veux dire c'est à tout le monde ou c'est juste un cadeau pour moi? C'est même plus de freeze? Il suffit de faire échappe, ok.
Non, il y a encore des frises, tiens. Pourquoi pas? J'espère que vous les verrez pas parce que ça devient lourd. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'accepte tout, je vais finir ce jeu. Fraps va arrêter de rager un peu. On arrive à la baraque là-bas, la baraque épique. La baraque majestueuse, notre baraque sur la plage. Ça va pas être intéressant à regarder, ça je suis en train de penser. Ça va être long et chiant. Enfin bon, c'est pas grave. Vous subirez, c'est tout. Vous n'avez guère d'autre choix si vous voulez voir la fin de ce jeu. Ou alors vous pouvez avancer la vidéo, mais là ce serait une traîtrise envers moi. Je déconne. Faites-vous plaisir. Si vous regardez tout, vous êtes un peu des guerriers. Hein. J'aime bien cette baraque, même s'il y a un mec poignardé habillé bizarrement. Boire. Dormir. Oui, il est midi, mais je dors. Fuck, j'ai aucune limite maintenant. Maintenant, je suis dit fuck à ce jeu. Putain de champignon bleu quand même, vous imaginez si on l'avait, si seulement je l'avais cherché comme il faut, on n'aurait pas fait tout ça quoi. Terrible, mais c'est terrible quoi ce qui nous a fait endurer. Et encore c'est pas fini hein, ça se trouve je vais pas le trouver le bordel, hein. Ça se trouve c'est pas là. C'est bon, haute posto c'est un peu une légende hein, pour moi, c'est, il est pas marqué sur la map, il est juste griffonné sur un bout de papier. Il y a juste T1 qui existe mais T2 non. Enfin bon c'est la quête éternelle quoi pour le retrouver c'est... Faut avoir de la chance quoi. Donc on va regarder une dernière fois Outposto pour être sûr de certains de merde. Alors là je suis là. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Ok. Aucune objection. Là-bas il y a Tau. Donc c'est les 4 tentes de merde, enfin les 4 maisons sur pilotis de merde qui sont bien sûr ici, voilà, elles sont belles. Maintenant, on peut regarder la note. Blue Fungi, tiens, où es-tu? Tu es à l'est. Nord-est of Outposto, ok. Nord-est of Outposto, donc j'en ai dit que tu dois être au T2 qui n'existe pas, hein. Donc tu dois être là, par là, hein, pour me troll. Voilà, il doit être dans cette zone-là, celle-là, vous savez, la petite zone-là que j'ai pas visitée, bah voilà, il doit être là. Et donc, le mec il pète un câble. Non, mais on va y aller, allez, on va finir ce putain de jeu. Je vais voir l'ending. Enfin bon, je suis sûr qu'il va pas y avoir de ending. Ça va être juste être genre un écran noir. On va se barrer sur le bateau et voilà, end. The end. Je vois rien, hein, bien sûr. Ah, bonjour les lances. Je vous prends pas cette fois. Là, je peux me permettre de longer la côte. Merde, même si je pouvais pas, je le ferais. Vu que je fais que ça dans ce jeu, longer les côtes, moi. C'est ma stratégie, hein. Vous pouvez pas me dire non. Mon gars, il est crevé, je sais même pas pourquoi. Je l'ai à peine fait courir là. Il vient de dormir. Pourtant, j'ai pas sprinté. Ça me casse les yeux là, ces petites vues bien lumineuses. Et là, c'est tout noir. Quand je regarde à droite, c'est trou noir. Voilà, on aura donc cette belle statue à regarder. On a intérêt de le trouver ce champignon, on a intérêt de le trouver. Sinon je retrouve les développeurs et je leur fais du mal. En fait c'est moi, je devrais me faire du mal à moi. Pour pas avoir cherché correctement le champignon et pour avoir fait de la merde à tourner en rond au lieu de regarder mes notes tout de suite. Allez, repose-toi un peu sur la plage, tu vas marcher un peu. 7h du matin. Très bien, pas de problème. 7h30 même. Enfin 25 pour les plus pointilleux. Je sais vraiment pas si cette vidéo va être regardable, hein. Sérieusement, je suis désolé. J'ai pas mal ragé, mais bon. Écoutez, c'est les conditions qui veulent ça, hein. Donc vous savez très bien que je... Ah, là, c'est là où on se barre, ok.
Donc, on n'a pas avancé presque. Alors, ça veut dire, on est que là, ok. On doit faire tout ça. Vous êtes prêts? Ok, c'est un petit challenge qu'on se met. Fameux boat landing, tiens. J'avais pas voulu y aller sur cette île, tiens. J'avais dû vouloir y aller, fut une époque. Est-ce qu'on peut se casser sans avoir fait le vaccin? Hein? Genre on rentre chez nous, même en étant encore malade, c'est pas grave, on continue comme des guerriers. Je pense pas. Alors quand il va prendre le vaccin, est-ce qu'il va avoir des super pouvoirs? Parce que là déjà sans... Enfin en étant malade et tout, il est quand même endurant le bonhomme, il est solide quoi. À part qu'il sait pas aligner un pied devant l'autre sans se boiter, mais bon. Et qu'il ne savait pas nager à l'époque, mais ça c'est autre chose. Je lui ai tout appris à ce gamin, hein. Je veux dire, je lui ai augmenté son endurance, sa perception, sa force. Je veux dire, sans moi il est rien quoi. Mais est-ce qu'il va devenir un super héros après? Est-ce que je me demande? Je dis n'importe quoi, là je débloque. Écoutez, il est tard. Je me suis mis comme défi de finir ce jeu, ça vous fera une vidéo de 2 heures, voilà. 2 heures où vous m'entendrez être pas content. Pas content, pas content, pas content. Oh, un petit havre de paix, des champignons peut-être? Non. Je peux pas, vous savez, trouver un endroit là, comme on trouve des fois, là où il y a juste une plante, vous savez, une plante principale qu'on a besoin. Et on la trouve avec de la chatte, c'est de la violence. Bah là, non. Pas cette fois, pas avec le bleu fungi, non. Nord-est, ce sera par là-bas, ok, très bien. Déjà, on va aller à la baraque de T2, là, de mes couilles. Ah T2, comme je suis content de te revoir. Non c'est un mensonge, je te hais T2. Je te hais, je te hais, j'espère que toi et tes descendants vous mourrez tous dans un horrible incendie. Et les mouettes aussi. Dommage qu'il n'y ait pas de tortue sur cette plage. Alors dans cette maison où on n'est pas du tout en sûreté. Même regardez, la bonne eau. Encore une fois, allez hop, on est bon. Hop. T2. Ah, bordel de Dieu. On est à T2. Ah là. Alors, d'après mes observations très pointilleuses, très pointues, ceci devrait se trouver là, exactement dans le néant. Donc, regardons le nord-est. En fait, ça devrait être là au-dessus, non? Sauf que je ne les vois pas, alors on va aller vers la gauche. Ça va être accroché aux arbres, ça, non? Je vais lire parce que faut que j'arrête de snober les notes. Ok. Les troncs d'arbres qui regardent à l'est. Très bien. On se fait plaisir avec Go hein, quand on regarde un walkthrough. Hein. Et oui, puisque je subis, vous êtes obligé de subir avec moi et de chercher avec moi champignons magiques. Sur quel type d'arbre il pousse? Putain, ça se trouve, je l'ai croisé l'autre fois en montant tout en haut de la map, vous savez. Ça fout les boules, ça, hein. Ouais. Bon, déjà, ils devraient être dans cette direction, les champignons sur les troncs. À moins que je ne m'abuse. Et là, ce sera encore une terrible perte de temps, mais... Nord-est. Nord-est. Il va falloir que je monte hein. Il m'aura fait chier celui-là. En bas là-bas il y a la petite tente de merde. Useless on l'appelait. Non. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi il me fait ça mesdames et messieurs? Oh non je connais pas la tente. Oh là là le coup dur encore mais le coup dur. Ah je connais la petite statue là-bas. Oui. Ah oui, merci Dieu. Éclaire-moi de tes lumières. Ah, merci.
Maintenant je connais cette putain de tente de merde. C'est où là? À droite? Bordel. On va le trouver, ce bon dieu de champignon de merde. Ou bien... Il doit être en haut, hein. Il n'y a pas moyen, il est en haut. Là peut-être, non? J'ai pas le droit à un... J'ai pas le droit à un champignon. S'il vous plaît, je demande pas grand chose, un champignon bleu. Je préfère quand j'ai le bruit du vent en fait, ça me met en sûreté. Quand j'ai pas le bruit du vent, là je m'inquiète. Mais quand même pas dans la pampa là, dans la merde là-bas. J'aime pas trop cet endroit là, on avait rencontré Abeth ici. J'ai envie de dire maintenant je sais exactement où elle va arriver et quand quoi, c'est même plus d'effet de surprise de sa part. Bah couvert Monsieur Frodon, baissez-vous. Mais putain, mais d'où elle me voit quoi? Mais il se troll sérieux. Ah, elle a été attirée par un lapin. Ah non, putain, mais elle veut pas bouffer des écureuils au lieu de me faire chier moi quoi. Putain, elle est pas obligée de chercher le plus gros gibier quoi. Ah bah elle va me voir quoi, putain de merde. Fais chier. Ah ouais. Elle aime bien passer devant nous comme ça. Cette espèce de chat là. Chat avec des cornes et... Et qui a été tagué par des jeunes insolents. Eh ben, elle au moins elle arrive à monter les montées mais easy quoi. À monter les montées, oui. Tout à fait. Tout à fait. Où est-ce qu'elle va là? Elle s'éclate? Ciao. Alors. Au nord-est de l'avant-posto. On va retourner à l'avant-posto les gars. Putain. Nom de Dieu! J'ai intérêt de mettre de la musique épique dans le montage. Putain. Mon Dieu. Bah ouais, elle m'a vu, mais fuck quoi. Qu'est-ce que je pouvais faire là? Qu'est-ce que je pouvais faire pour pas qu'elle me voie sérieusement? Oh, elle me gave quoi, elle me gave. Putain, les respawns intempestifs comme ça, ça devrait pas être permis quoi. Mais putain, mais elle me lâche pas. Mais c'est abusé hein, quand elle nous a vu, elle nous lâche pas quoi, c'est... Mais wow, ça me frôle les cheveux là, ce que tu me fais. Ouais, 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 moi aussi je t'aime pas, et alors? Ouais, crache-moi la gueule. Il pleut en plus quoi, c'est le combat des titans, c'est... Ah putain, je vois pas juste la tuer cette salope. Elle me fait péter un câble là. Ciao biatch. Yeah, à l'envers. Bitches. À l'envers. Bitches, tu tombes un peu vite. Putain. Mais dans quel sens il se boite là? Mais c'est bon là, tu... T'arrêtes de... Mais... Putain, mais... Oh, elle a une fin cette pente. What? Mon Blue Fungi! Mon Blue Fungi, non!
Non, mon Bluffunji! Qu'une chose à faire. Allez, mais casse-toi la gueule! Oh, il m'énerve. Il m'énerve. Ah bah vous savez ce qu'on va faire du coup? On va faire plaisir au gars qui me demandait de lancer le couteau sur la borgnasse là qui est en face. Quoi, il a remis les trucs de quoi? What? Il a fait l'animation dans le sens. Alors bonjour, tu trisomique là? Viens, 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 viens là. Je vais pas t'épargner. Viens là! Viens! Putain, c'est impossible de l'avoir! Oh. Faut être MacGyver quoi! Ça a rien à voir, mais bon. Faut être MacGyver. Ok. Banane. Des bananes. Non, une poêle. Alors là, une poêle dans ta sale gueule. Ah, merde! Ah! J'ai attiré son attention. Non, tu te casses. Parfait. Où est-ce que tu vas trisomiquer cette fois? Ah ouais, par là, ouais, c'est pas mal de trisomiquer vers là. Oh là là, mais on était si près du but, mais si près, les gars. Une banane dans ta gueule, une banane. Biatch. C'est le fait là, elle me voit ou pas là? Parce que. Putain, c'est con ce truc. J'en veux pas comme animal de compagnie, moi. Tu me vois. Tu me vois pas là. Waouh. Ah, quand même. Viens, allez, viens, tu vas te prendre des bananes dans la gueule. Descends de là. Descends. Descends. Wow. Ne me tourne pas le dos. Tu vas te prendre des bananes dans la gueule, c'est tout. Bim! Y'a pas un succès pour ça? Ah, mais je suis hors ligne, ok, c'est pour ça en fait tous les succès du jeu ils m'ont dit fuck you quoi. Bon, bah je vais y aller avec Pichet. Pichet, mon seul ami dans ce monde. Pichet, Pichet. Wow, wow, elle fait quoi là? Mais doute, elle s'est téléportée là, mais qu'est-ce qu'elle me fait celle-là? Hop là! Oh tu rages! Oh wow, elle est où là? Je suis dans la tente, bitches! Viens pas! Engeance du démon! Et si je me cache comme ça? Elle va disparaître? Est-ce qu'elle bug? Disparais! Fils de Satan! Ah, elle disparaît quoi, fais pas chier au bout d'un moment, merde. Oh! Dieu m'a parlé, je l'ai écouté, la 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 la. On va chercher le Bluffunji, on rush. On rush, mais on rush. Mais on va revenir en courant, mais d'une force. Il est quelle heure? Ok, le combat des dieux va commencer. Tan 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 tan. Tan tan tan. Tan tan tan. Tan 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 tan. Bon, je suppose que j'aurais pas mis de la musique épique quand j'ai trouvé le Bluffunji, du coup, vu que je me suis fait défoncer par la bête juste après, mais bon, c'est pas grave. Et là, quand il s'est mis à rouler dans la pente, mais. Il y avait pas de fin quoi, il roulait, c'était. Je sais pas s'il est de forme sphérique, le personnage, mais. Putain. Il y en a plein en plus, il y en a une armée de trucs bleus quoi pour me troll. Genre, hein, tu l'avais pas vu, mais t'es vraiment con, c'est pas possible. Y'a que toi qui les a pas vus. Eh ouais, y'a que moi. En attendant, je les ai. Et je me casse de. Non, là tu retombes, ça va mal se passer. Là, je suis tellement concentré là, je suis. S'il apparaît maintenant, je le pardonnerai pas au jeu. Jamais je lui pardonnerai. Ok, on l'a les gars, calmez-vous, on l'a, c'est bon. Calmez-vous derrière votre écran, je sais que vous êtes en délire. Ça c'est grâce à Pichet les gars, franchement Pichet, c'est pas... Dites-le moi dans les commentaires, j'ai quand même... Non mais Pichet quoi, c'est notre meilleur ami, c'est... Pichet quoi les gars, Pichet. Il nous arrive jamais rien de mal quand on a Pichet. C'est tout. Pichet c'est un peu le bien. Bon maintenant il va mourir parce que je vais aller dans l'eau mais... Ou alors peut-être que je peux le sauver. C'est bon, je peux le préserver. Ah non, au revoir Pichet. Au revoir, c'est triste mais au revoir Pichet. Oh non non non, Pichet, Pichet. Si je dois faire quelque chose, c'est que je dois ramener Pichet à la maison.
Je peux pas annoncer assez. Mais piché, mais. Je sais que tu veux rester sur cette île, mais t'es pas Jason Brody dans Far Cry 3, tu viens avec moi. Je pourrais pas dire à sa mère que j'ai laissé piché derrière moi, non, je pourrais pas. Ok, je pourrais. Putain, il me fait chier piché, hein, je dois faire le tour de tout. Un peu chiant, hein, piché, hein. Pour le coup. Je vais faire des détours celui-là. Alors dans T2 je crois qu'il y avait un labo donc fuck the game quoi. Fuck it mais very hard. Il nous aura pas facilité les choses ce putain de jeu. Ok là je dois aller par en haut à cause de Piché. T'es content toi Piché? Ah les internautes ils en ont marre hein, derrière leur PC de moi de me voir faire le schizophrène alors. Ce jeu m'a rendu complètement ma boule là dans les deux dernières heures qu'on vient de jouer. Alors, je sais pas si ça fait 2 heures ou 1 heure ou je ne sais pas. Quoi. Mais putain, mais il tombe, mais il tombe. Mais jusqu'à la fin, il m'aura fait chier ce personnage. Putain, mais j'espère qu'il va crever sur son bateau, quoi. J'espère qu'il aura pas amené de bouffe et qu'il va crever comme une merde. Putain, j'espère que la coque, elle sera percée, qu'il va se noyer et qu'il va mourir dans d'atroces souffrances, quoi. Ça lui apprendra à pas savoir nager, à pas savoir courir normalement, à faire du moonwalk de partout, enfin bon. De personnage quoi. Mec il pète un câble. Et oui. Ah on va t'analyser bitches mais je sais déjà ce que t'es. Je connais les gens de ton espèce, les champignons de ton espèce. Voilà. Alors maintenant ne pas se planter. Ne pas se planter dans la synthèse. Parce que là, j'accepte beaucoup de choses mais là, c'est quoi ça Bufunji là? Ah oui non. Ok la bulbus ok. La bulbus il me faut donc elle. C'est elle, on est d'accord. Ok, je la prends. Je l'amène. Je la mets là. Je fais ça. Ah, putain, me fais pas chier, piché. Je fais ça. J'ai quoi? C'est beau, j'applaudis en cas où. Hein. Oh, putain. J'ai tellement attendu ce moment. Allez. Oh! La magie vaudou encore, mais quelle est cette magie? Une seringue en or pour l'occasion. Genre avec le zoom et tout. Mais garde-la cette seringue, garde-la, ramène-la chez toi, montre-la à tes enfants. La, 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 la. My physical capacity has been fully restored. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cured, height, height, height. Vous voyez ça les biatch? Regardez, il y a 2 PS3 là pour moi. Bon, on s'en va. On s'en va les gars. Allez, on s'en va. Ah là là, ça me fait de la peine maintenant que j'y suis. Il pleut, j'ai envie de partir sur du beau temps mais j'ai pas envie de provoquer un chargement qui perdrait la musique en fait, donc on y va. Le seul point positif c'est qu'on est juste à côté du départ, mais bon vu le temps que ça nous a coûté de venir ici et tout, on aurait pu s'en passer. Ok il court très vite. Enfin remarque qu'il y a toujours couru comme j'arrive pas à faire différent. Bon il fait toujours du ski dans les virages, hein. Ça on lui enlèvera pas, ça c'est son petit plaisir. Piché, je te ramène à la maison petit. J'aurais presque pu save pendant que j'y étais. Ouais. Ça aurait pas été une mauvaise idée si. Non, ça aurait pas été une mauvaise idée. Est-ce que la bête va oser cette gouja? Merde, la musique est finie. Merde! Mais est-ce qu'elle va venir interrompre la musique? Mais ouais, elle va oser parce qu'il n'y a plus de musique. Fuck! Elle était belle cette musique. Elle m'accompagnait, moi, épiché dans mes quêtes épiques. Ça rime. Oh putain. Oh là là, il me facilite pas la vie, hein, ce piché de merde là. Si seulement on pouvait le garder dans la main quoi, c'est la moindre des choses je trouve. Il a toujours été là pour nous, piché, on est là pour lui maintenant, c'est tout. Enfin, dans mon esprit là. Oh! C'est quoi ça? Je suis déjà venu ici? Quelle est cette folie? Quel est ce lieu? Où suis-je? Ok, d'accord, on connaît très bien, calmez-vous, on connaît ce lieu. Je ramène piché au pays.
piché, you're coming with me, motherfucker. Avec mon bel accent. Oui, c'est un accent fait exprès, là, je sais que... J'ai pas un accent fantastique, mais bon, il y a des limites à ma bassesse. Piché, 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 piché. Piché. Est-ce que c'est le chemin de la victoire? Oui, c'est le chemin de la victoire, avec les marches de la victoire. Vous voyez, on le fait comme il faut. Cours pas dans les marches, quoi. Putain, on l'apprend quand on en a 2 ans, ça. Putain, il va y avoir une course épique. Je le sens, là, elle va être derrière nous. Elle va nous faire fuck you, je te laisserai pas partir, bitch. Attends, calme-toi. Je veux garder ton sprint pour quand elle va être derrière nous. Oh, il va falloir que je nage. Non, je peux marcher, là, quand même. Piché. 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 Je peux pas amener Piché avec moi. Il était tout ce que j'avais. Il est mort si jeune, Piché. Je suis obligé de le laisser sur cette île. J'aurais préféré rester avec lui si j'avais le choix. Il méritait tellement plus que rester sur cette île hantée par un démon. Ah, on aura quand même fait une belle aventure. La fin était assez ardue, mais c'est comme ça la vie. C'est comme ça. Merde, on peut même pas observer une vue, quoi. Mais... Et là c'est pas par là, je me noie, enfin hop, je vais tout refaire. Ce serait tellement épique, enfin épique, non, modérément, parce que je casserai un peu mon écran, mais ce serait marrant. Dans 10 ans ce serait marrant, le temps que je prenne ça, le mal, tant que j'assimile mon échec. Allez. Oh putain, la musique qui s'est mise, ça fait friser tout, quoi. Qui c'est qui allait mettre son bateau là-bas? Quel genre de psycho? Un genre très particulier, très rare. Là on voit le fond. Pas grand chose au fond, hein. Pourquoi devrait y avoir quelque chose, remarque. Putain, j'aurais aimé qu'il fasse jour quand même, merde. Rendez-moi ça, c'est dégueulasse là. On peut pas voir l'île d'un autre point de vue. On est sur la terre ferme. On voit que dalle. Ah voilà, après avoir mappé tout ça, et ben on voit la fin du chemin, les gars, le bout du chemin. Vous voyez, on est là. Ah, on voit le bout du chemin. Ouais. Ah. Allez, on y va. Puisqu'on n'a pas le droit d'avoir du soleil et du beau temps. On n'a pas le droit d'avoir du soleil et des nanas. Est-ce que ça va être un troll et va y avoir la bête? Y a pas intérêt. Là, il nous laisse un peu penser avec ce chemin un peu long. Il nous laisse un peu penser à ce qu'on a vécu. À ce qu'on a traversé dans ce jeu avec de la belle musique derrière. C'est pas mal. J'aime. Fait toujours un temps de merde ça, par contre j'aime moins ça. Dès que c'est fait exprès, quoi. Même si j'ai réussi, il continue à me troller, vous voyez. Oh, il est beau, c'est un voilier. Dans l'époque... Un Mac. Est-ce qu'on peut choisir de rester ou de partir? Un livre. Non, je vais voir ce que c'est. Save. Non, quel est ce livre? Alors, Paradise Lost. Ah, Paradise Lost. Paradis perdu de Milton. Putain, ils ont pensé à tous les petits détails. Ah là. Plus de bête. On la verra plus, la bête. Maintenant, vous savez quoi? Je lui pardonne tout ce qu'elle m'a fait. Je lui pardonne. Parce que je suis bien bon. Je suis bien bon. Je suppose qu'on a enlevé les cordages. Non? On monte juste. On le fait. Attendez, il commence à faire beau. On attend un peu l'éclaircie. On voit un peu plus l'île. Ouais, vite fait. Ah, c'était bien, c'était très bien. Allez, on monte. Au revoir. Au revoir l'île. Paradis perdu. Oh, je vais me faire couler.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le mal qui se répand? Vous pouvez regarder à droite et à gauche. Ah, qu'est-ce qui va se passer de mal? Oh! Ils ramènent des vaccins au pays! Et merde, on a oublié de regarder les notes. Pourtant, j'en ai fait qu'un, hein, donc. Herbert. Ah merde, j'ai pas eu le temps de voir. Bourbon whisky. Il va se bourrer la gueule, c'est ça son délire. Ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Hein. Arrête de rouvrir les yeux, c'est bon. Ah, t'as droit au repos, mec, là. The wind begins to carry you. Ah d'accord. Ouais, c'est un truc relaxant qu'ils ont écrit, je vous mettrai dans la dans la description. Ah, c'est beau la fin, belle fin. Bon bah que dire hein, les gars, magnifique jeu, clairement. Il y avait du level là, hein. Il y avait du level. Je sais pas trop quoi dire si je devais faire une conclusion. Je dirais que j'en ai chié à la fin. Mais attendez, on va voir l'équipe. Normalement ils sont deux. Normalement, il y a Bob, non, avec lui. Bob. Bob, c'est un héros. Il a fait l'art, le world design et la musique. Oh, t'es un héros, Bob Johnson. T'as fait la musique. Merci à papa et maman, oui. C'est bien. Milo, c'est lui qui a inspiré. Ok. Merci d'avoir joué, de rien. Merci d'avoir fait le jeu. Ouais, bah écoutez, excellent jeu. Avec une durée de vie, franchement, là j'étais en train d'y penser, la durée de vie est très longue, hein, pour un jeu. Oh, flashcode, merde, merde, flashcode. Ah, allez, F9. 9. Je prends une photo. Oh putain, j'ai pas eu le temps de faire le flashcode. Bon, j'ai pris un screen. Au bout de 25 jours, voilà, on a fini. Ouais, donc, attendez. Juste un peu en arrière-plan. Clairement, ouais, donc la durée de vie... vraiment très bon. Alors moi j'ai dû être un peu lent au niveau de la fin là, j'ai perdu pas mal d'heures, mais je crois là du coup je dois avoir genre 12 heures de jeu sur Steam, enfin un truc comme ça. Enfin bon, après il y a le temps que je configurais comme une merde là tout à l'heure là, mais ouais, putain, ça fait une durée de vie plus connaître. Franchement c'est plus long que des jeux qui sortent, quoi. Enfin c'est violent, hein. C'est pour un jeu indé, les gars, c'est super long. Après niveau gameplay, c'est un peu moi ce qui m'a fait chier par moment. J'ai envie de dire, en même temps, il fallait bien un gameplay lent comme ça pour la bête, parce que sinon, vous voyez, si on a une mobilité, je sais pas, comme dans un Far Cry ou un Call of, après, bon, la bête, on s'en fout, quoi, on se casse vite fait. Là, le gameplay, je trouve, il était assez bien adapté. C'était pas mal aussi qu'on puisse s'améliorer avec des picouzes. Bon, le seul truc, c'était le personnage, quoi, qui faisait du ski et tout, ça, c'était... Ça, j'étais à la limite à chaque fois de casser mon écran à des moments. Surtout à la fin, là j'ai pété un câble à la fin. Là. Sinon, quoi d'autre? Graphisme, bon, bah, franchement, alors techniquement, purement techniquement, c'est pas ouf, mais enfin, c'est pas ouf. J'essaie de vous passer des screens là, en même temps que je parle en fait, mais parce que j'ai pris des screens pendant l'aventure, vous avez sûrement vu. C'est pas ouf,
Mais on a quand même quelque chose de globalement super joli au niveau du level design. Attendez, je reviens techniquement parce que là je parle sur le level design. Non, techniquement, franchement, c'est pas ouf. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on a des textures des fois dégueulasses. Mais des fois, les statues par exemple, les statues c'était un truc de dingue. C'était super détaillé, même de près, ça rendait super bien. Putain, si je sais pas, ils ont dû commencer à mapper à faire les textures des statues. Parce qu'en même temps, il y en a beaucoup, mais les statues c'était vraiment super détaillé. Les tentes aussi, c'était pas trop dégueulasse. Les textures. Bon après comme je disais c'est le level design surtout qui fait parce que quand on regarde de loin les textures sont assez comment dire ben elles sont pas affichées quoi, c'est plat quoi, c'est pas super beau, c'est flou quand on regarde de loin les textures, c'est juste par exemple pour la pierre vous voyez on voit juste une couleur unigris quoi sur toute une face de montagne, bon c'est pas top mais encore une fois bon bah c'est le ciel est vachement bien foutu l'ambiance générale graphiquement, hein. L'ambiance générale ça rend super bien par exemple au lever de soleil et au coucher de soleil. Là c'est vraiment j'étais sur le cul par moment. En plus avec la pluie des fois on avait un truc totalement magnifique avec les gouttes noires vous voyez. La tombée de la nuit là quand on a un coucher de soleil avec l'horizon orangé et les pluies noires et enfin je veux dire l'île noire au premier plan et au fond l'horizon de la mer, une espèce de truc orangé, c'était magnifique. Donc clairement graphiquement il n'y a rien à dire, pour un jeu indé en plus les gars ils ont fait à deux quoi, le moteur graphique faut pas déconner, il est vachement beau. Alors après il y en a qui disaient avec le moteur de Far Cry 3 un jeu comme ça, bah, ça pourrait être sympa mais je sais pas, enfin je veux dire je trouve que ce moteur il était vachement bien adapté quoi. Parce que je sais pas ça avait des trucs, ça rendait des trucs assez uniques comme je vous ai dit là par exemple le truc orangé et tout là. Et avec la pluie noire au premier plan, ça rendait super bien ça. Et dans Far Cry 3, c'est pas possible de faire ça, je pense. Vous voyez, il y a des contrastes qui sont vachement bien foutus dans ce jeu. Bon, après, c'est mon point de vue. C'est clair qu'avec Far Cry 3, enfin, avec le moteur de Far Cry 3, si c'était, ou avec un CryEngine, je crois que c'est la même chose. Si c'était bien foutu, ça rendrait super bien, mais. Mais bon, je sais pas. Je sais pas, j'ai jamais vu vraiment de map sur Crysis et Far Cry. À la hauteur de ce qu'on avait là des fois au niveau artistique quoi, enfin, je veux dire c'est unique, surtout avec la petite musique des fois qui vient se foutre, enfin bon, vraiment ce jeu c'est une expérience unique pour moi, c'est vraiment c'est quelque chose que j'ai eu une fois dans ma vie quoi, que j'ai ressenti une fois dans ma vie, c'est sur ce jeu là quoi, c'est vraiment ce sentiment de solitude, c'est un truc de dingue. Et puis vous voyez vraiment on fait pas grand chose dans ce jeu, on fait pas grand chose mais on a envie de continuer, vous voyez j'avais envie de continuer moi quand je faisais l'aventure. Putain, il fait froid dans la pièce là, je me nique la gorge à parler comme ça. Je vais tousser dans pas longtemps. Non, il faisait froid. Putain, il faisait froid. Qu'est-ce que je dis? Oui, donc j'avais envie de continuer. Alors au final, on fait quoi les gars? Sérieusement, on fait quoi? On fait toujours la même chose. On marche, on ramasse des plantes, on cartographie. On marche, on ramasse des plantes, on cartographie. On fait que ça. On fait que ça pendant 10-12 heures. Et pourtant, je sais pas, on décroche pas, c'est excellent quoi, enfin je veux dire. Puis ce qu'ils ont réussi à faire surtout, c'est bon bah, varier les environnements quoi, je veux dire, ils font une île, et ils arrivent à faire plusieurs environnements dessus, c'est génial ce qu'ils ont fait les mecs, c'est génial. Hein. Et puis l'imagination qu'ils ont, ces gars-là, c'est excellent. Pareil, le design de la bête aussi, moi je le trouve excellent pour ma part. Après son animation, bon ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient, hein. Ils ont fait comme ils pouvaient au niveau de l'animation, hein. Mais bon, elle passe globalement, l'animation, bon ça va. Non, la bête, franchement, elle est bien foutue. Pareil, on a bien le stress quand elle apparaît, franchement. Alors après, bon, il y avait un moment dans la voiture où carrément, je me disais, elle est conne, quoi, c'est pas possible. Franchement, on arrivait à s'en défaire comme on voulait, quoi. On mettait dans trois plantes et c'était fini. Mais à la fin, là, vous avez vu, les deux, trois derniers épisodes, j'en chie un peu, quoi. Vraiment, j'en chie un peu. Et je pestais un peu contre le jeu, mais c'est bien. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression, moi, qu'elle devenait de plus en plus forte au fur et à mesure des jours, hein. Mais bon. Oui, donc au niveau graphisme. Au niveau graphisme, attendez. Oui, le modèle de la bête, il est vachement bien foutu. Le truc, c'est le modèle des personnages là. Le modèle des persos, il est pas si bien foutu que ça. Vous voyez, les personnages qu'on trouvait poignardés là, ils étaient un peu hideux même. Attendez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder les notes que j'ai. Vous avez dit que je le ferai, je sais pas si ça en intéresse certains. Et voilà, donc on est à Lille là. Ah putain, putain de jeu les gars, putain d'expérience. Je m'en rappellerai longtemps de ce jeu, hein, vraiment.
Ah, on a les trois fioles là. Hide, 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 Kurt. On a tout fait, les gars, on a tout fait. Sérieusement, le jeu, je l'ai torché un peu. Pas au niveau de la map. Bon, on a plein de trucs, je sais pas si je peux tout vous montrer. Surtout que je sais pas si j'ai tout en fait. Ah, j'ai tout ça, les gars, je peux pas me permettre de tout vous montrer en fait. Mais ouais. Alors attendez, on va juste regarder la map. Je sais pas s'il y a des plantes que j'ai pas découvertes. Je pense pas, honnêtement. Il y a là, peut-être j'ai pas fouillé. Là aussi. Alors franchement, là devait juste y avoir de la forêt, les gars. Là, des montagnes. Voilà, quelques statues ou des trucs comme ça. Mais franchement, je pense pas. Là, on voit vraiment comment j'ai joué. Hein. Vous avez vu juste les côtes qui sont faites. Mais l'intérieur des terres, jamais. Jamais l'intérieur des terres. À part ici, j'ai fait un peu le guerrier. Sauf là. Bon, voilà. En fait, je vous montrerai pas les notes, je suis un troller, j'ai menti. du coup, je sais plus où j'en étais dans ma conclusion. Je pense que j'ai à peu près dit ce que je pensais. Oh, un cafard bleu, tiens. Ouais, c'est sympa, encore une animation pour le cafard et tout. Non, c'est sympa ce jeu. Bon, maintenant que vous avez regardé Wolfou, c'est clair, je vous conseillerai pas le jeu. Parce que vous connaissez tout. Enfin, je veux dire, vous avez tout vu avec moi. Et puis bon, je veux dire, il n'y a pas trop de replay value. De replay value. Value, je sais pas comment on dit. On peut pas trop refaire le jeu sans. Je sais pas, sans. Enfin, je veux dire, moi je me vois pas refaire ce jeu quoi. Parce que je sais pas. Bon, maintenant que je l'ai fait, je saurais exactement ce qu'il faut faire. Vous voyez, j'aurais plus le sentiment d'être perdu constamment dans le jeu quoi. Là j'avais le sentiment d'être vraiment perdu. C'est ça aussi qui était bon dans ce jeu quoi. C'était vraiment de l'aventure quoi. Alors que si je le refais, bon bah je perds un peu ça et au final je sais exactement ce qu'il faut faire, donc je perds un peu l'âme du jeu quoi, je perds un peu le point principal du jeu quoi, l'intérêt principal, donc je ne vois pas faire ça. Donc je vais quand même m'arrêter là, j'ai dû me perdre dans ma conclusion, j'ai dû me répéter, elle doit pas être terrible, enfin bon bref. Dites-moi ce que vous avez pensé du jeu, alors bon il y en a, je sais déjà ce qu'ils ont pensé, mais dites-moi ce que vous avez pensé du jeu. Qu'est-ce que vous pourriez... Non, c'est tout. Hein. J'ai rien d'autre à ajouter sur ce jeu. Hein. J'ai étiré la conclusion, mon pauvre, alors que ça fait je sais pas combien de temps que je fais la vidéo. De Dieu, elle va durer longtemps celle-là. Ce sera le run épique pour la fin. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, The Walkthrough. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. C'était un jeu unique. Dites-moi ce que vous voulez que je joue après ça. Hein. C'est très important pour moi de savoir ce que je dois jouer. Voilà, donc dites-moi ce que... Encore une mouette, putain de merde. Même jusqu'à la fin de mon traqué celle-là. Dites-moi ce que vous voulez que je joue, dites-moi ce que vous avez pensé du jeu. Je sais que vous avez apprécié le walkthrough. Autant que moi, j'espère. Je sais pas ce que vous avez ressenti comme moi en regardant. Avec moi qui parlais par-dessus, qui disait constamment de la merde. Bon, allez, j'arrête ici. Je me coupe moi-même là, hop, je coupe dans le vif du sujet. Parce que là, je peux pas continuer. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine. Bientôt chez moi, si vous voulez. Quoi, la torche elle marche moins bien? Ah, j'ai peur, putain, c'est juste parce que je suis dans un truc sombre. Là je me réveille pas avec ma grosse torche.